Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui, on va regarder comment tracer et couper son carrelage avec une fausse équerre. Donc on aura besoin juste de cet outil. En général, on l'a tous dans sa caisse et c'est bien utile. Pour ceux qui me suivent régulièrement, cette salle de bain, c'est la suite des deux dernières vidéos que j'avais fait sur la pose du receveur prêt à carreler, la pose du banc et la pose de la cloison. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous mets les vidéos en fiche. Et nous, on va s'occuper des coupes qu'il y a contre le banc et on va se servir exclusivement de la fausse équerre. La plupart du temps, quand on achète son carrelage, on regarde la partie esthétique, mais on ne regarde pas vraiment la qualité. Et c'est très important d'avoir un carrelage un minimum qualitatif pour réaliser de belles découpes et pour faire une jolie pose. Et c'est vrai que souvent, quand on prend du carrelage en GSB, dans les grandes surfaces de bricolage, on rencontre des problèmes liés au carrelage sur les alignements et sur les découpes. Donc c'est vrai que quand on n'est pas pro, et bah, ça apporte encore une difficulté. Et même quand on est professionnel, un carrelage qui est mal calibré, on ne pourra pas faire des miracles pour avoir des alignements qui sont parfaits. Tout le carrelage que vous avez vu, c'est le Roma Bianco. Donc 80-80 au sol, 5-5 dans le bac à douche, et on a 30-60 au mur. Ce carrelage, il vient du site Reflex Boutique. C'est un site où vous pouvez tout acheter pour votre chantier, que ce soit le carrelage, sol et mur, mosaïque, mais aussi tout ce qui est matériel, outillage, etc. Donc c'est vraiment pas mal, ça vous permet de passer une seule commande pour tout votre chantier. Il y a vraiment énormément de choix. Moi, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil si vous avez un chantier en perspective. Ça vous donnera déjà un bon plus d'acheter votre carrelage chez les pros. Comme c'est une vidéo qui est en partenariat avec Reflex Boutique, il y a aussi un code promo. Je vous mets tout en description. Première étape pour faire ces deux coupes. Donc là, on va avoir un carreau entier dans sa hauteur. Et en bas, c'est la coupe de soubassement. J'avais déjà fait des vidéos pour vous montrer comment faire les coupes de soubassement. On va pas le refaire, je vous les mets juste en fiche, puis vous les retrouverez à la fin de la vidéo. Donc première étape, on prend notre fausse équerre et on la met dans la partie droite, d'accord? On va venir prendre la première mesure tout en bas. Mettre un croisillon entre le carreau et la fausse équerre pour avoir déjà un joint. Et là, on va venir la pousser jusqu'à l'angle. Une fois que c'est fait, on serre le joint contre le carreau et la première longueur qui vient toucher contre. Là, j'ai mis mes deux carreaux à plat. On prend la fausse équerre, on vient la mettre au bord du carrelage, d'accord? Et on va venir tracer le premier repère à la pointe. Donc nous, on avait déjà déduit un joint. Quand on avait pris la cote, on avait mis un joint entre le carreau et la fausse équerre, ce qui correspond au joint qui va venir entre la coupe et le carreau entier. Mais on n'a pas prévu le joint contre le banc. Donc là, on va venir tracer avec un croisillon l'épaisseur du joint qui nous manquait. Donc le trait final, c'est celui-ci. D'accord? Hop! Donc dans le traçage qu'on a reporté, on a pris la longueur de notre carrelage et on a bien déduit le joint de chaque côté. Le joint qui viendra contre le banc et le joint qui viendra contre ce carrelage. Maintenant, on va prendre la dernière dimension. On va prendre l'angle avec la fausse équerre. Et on va venir la positionner au sol contre le banc, d'accord? Comme ceci. Et là, vous serrez bien contre. Vous serrez bien au sol et contre le banc. Bien serré contre les deux, comme ceci. Serrez la fausse équerre. Vous la serrez à fond. Et l'angle, il est pris, d'accord? Donc ça, il faut que ça soit bien serré. Vous pouvez le resserrer à côté et vous le représentez. Il faut que à plat, on ait parfaitement l'angle. Même opération, on pose l'équerre, vous voyez, comme ceci sur le carrelage et on reporte l'angle bien aligné au trait. On se met bien sur le trait, d'accord? Un petit coup en arrière et un coup en avant. Voilà. Première coupe. La deuxième. Donc on présente la première coupe qui vient ici. Alors il faut la caler au sol, bien évidemment. Et on laisse toujours un joint
au sol, croisillon entre les deux, et voilà à quoi ça va ressembler. Les coupes sont faites, hein. On a bien le joint contre le banc et le joint contre le carreau. Je vous montre sur le site, hein, la référence du carrelage que j'ai posé, le Roma Bianco. Donc là, tu vois toutes les références qu'il y a, c'est incroyable. Donc là, on va retrouver le 80-80 que j'ai posé dans le sol. Et après, on va avoir le 30-60. Donc les prix, franchement, ils sont vraiment corrects pour le carrelage de qualité que c'est. Nickel. Je compte sur vous, hein, pour bombarder de likes. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum. Toutes les personnes qui auraient un chantier à entreprendre. Je vous mets toutes les infos du site Reflex Boutique en description avec le code promo. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.